Parfois, on se demande pourquoi Dieu a tendance à rappeler ses soldats ou ses anges un peu trop tôt. Peut-être qu'il les préfère plus près de lui. Mais dernièrement, un d'entre eux est parti. Et j'ai l'impression qu'il voulait pas trop qu'on sache qui il était. Et là, on a le droit d'essayer de savoir. Je suis né en août 58. Maman a mis au monde des grandes gueules. Neuf, je suis le septième, nommé Michael. Célèbre deviendra mon nom de famille, Michael Jackson, quand on faisait l'appel devant mes amis. Papa artiste et maman femme au foyer, mais un salaire de guitariste n'assurait pas le loyer. Alors maman t'a fait de temps en temps, et papa s'occupait de nous. Et quand on s'écartait, il nous battait de temps en temps. Et puis un jour il nous a vus en train de chanter. Ça sonnait impossible de décrire ce que ça donnait. Non, papa disait que j'avais un gros nez, mais que je chantais bien. Et puis j'imitais James Brown, c'est vrai, je dansais bien. Donc on a fait un groupe, on s'appelait les Jackson 5. Je récitais mon alphabet de façon live. ABC, et je découvre mais ce qu'est un tube. J'ai 11 ans quand je découvre mais ce qu'est la pub. L'école et les copains, j'ai pas connu. Tout comme cet anonymat que t'as quand t'es pas connu. Non, premier album solo, j'avais 13 ans. Tout ce mal pour ce bien, papa m'a dit j'avais raison. Mais raison de quitter le groupe, le public avait choisi. Et puis un soir, papa m'a dit que j'avais noirci. Passons, je signe avec Epic. Et en décembre 82, je sors Thriller. Et j'ai l'histoire dans mon viseur, ça y est. Le premier black à MTV et j'en suis fier. Fier d'être black jusqu'au jour où mon cœur s'est senti faible. Thriller, ce clip a vraiment frappé sur la thune. Sur Billie Jean, j'ai montré comment marcher sur la lune. Le moonwalk, gants et chaussettes en diams, pantalon sauté. Et ma musique était vraiment cotée. Les femmes pleurent, s'évanouissent, s'habillent comme moi. Et moi je commence à me demander, mais qui vit comme moi? Album après album, le succès est grandissant. Une superstar black, ma peau s'éclaircissant. Mais je leur dis que j'ai une maladie, le vitiligo. Mais beaucoup disent que je renie l'époque petit négro. Une chose est sûre, je cherchais une autre apparence. En vrai, j'aurais tout donné pour refaire mon nez. Merci beaucoup papa pour tous ces blâmes et ces moqueries. Le jeu de la vie, c'est de la loterie. Et ouais, j'adore les gosses, je l'avoue, et c'est depuis longtemps. J'aurais le syndrome de Peter Pan. J'ai pas eu d'enfance, donc je vis la mienne à travers ces petits. Le pédophile, moi je sais pas c'est qui. Et tous ces mots ont fait du mal à ma zik. En plus de ça, je suis maladroit et je fais du mal à ma vie. Montrer du doigt après avoir montré mon gamin sur le balcon. Traité de monstre par certains, par d'autres de sales cons. Et puis je gagne ce putain de procès, mais je suis coupable aux yeux du monde. La fatigue dans les yeux du monstre. Je me réfugie chez ma meilleure amie, la musique. Je prépare un album et une tournée, je suis prêt à mettre la gomme. Je redanse et m'entraîne, mais j'ai 50 ans. Je prends des médocs pour retrouver mes 20-30 ans. Je parlais de ma dernière et ça c'était un demi-bluff. Mon cœur s'est arrêté le 25 juin 2009. Et je vous remercie. Mais là, c'est nous qui te remercions. Merci à toi pour tout. Et en vrai, tout ça, ça avait rien à voir avec ce à quoi tu ressemblais. Tout ce qui importait, tout ce qui importe, c'est comment tout ça sonnait. Et comment tout ça sonnera. Et t'es pas mort. Non. T'as juste fait une pause. Merci.